a believer, si vous êtes un croyant, unless you are not a believer, à moins que vous ne le soyez pas, but if you are a believer, mais si vous êtes un croyant, then God will arrange for you to be tried. Alors Dieu fera en sorte que vous soyez éprouvé, because the trying of your faith, parce que l'épreuve de votre foi will reveal his glory in your life, révélera sa gloire dans votre vie. Hallelujah. Alléluia. The trying of your faith, dit l'épreuve de votre foi, produces patience, produit la patience. Remember that he said it's the trying of your faith. Souvenez-vous qu'il a dit l'épreuve de votre foi. So it brings me to the point of understanding. Cela m'emmène à comprendre que that the eternal purpose, que le but éternel, the one purpose for which both God and the devil will try you, le but pour lequel Dieu et le diable vous éprouveront, the target is your faith. L'objectif c'est votre foi. Whereas God wants to build your faith, alors que Dieu veut bâtir votre foi, the devil seeks to destroy your faith. Le diable veut détruire votre foi. Hallelujah. Alléluia. Because it's the trying of your faith. Parce qu'on parle de l'épreuve de votre foi. It is not the trying of your flesh. Ce n'est pas l'épreuve de votre chair. It's not the trying of your spirit. Ce n'est pas l'épreuve de votre esprit. Nothing else is in focus except for your faith. Rien d'autre n'est visé si ce n'est votre foi.